Ben, Philippe Beller, je suis de la CGTG Santé, la FSAS CGTG. Nous sommes partis pour une de la manifestation, des manifestations du mouvement depuis juillet. Mais bien avant juillet, nous avions déjà fait un certain nombre d'interventions publiques où nous mettions en garde contre la dérive totalitaire qui arrivait. Et ne voilà-t-il pas que beaucoup n'y ont pas cru et nous y sommes. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est le point de départ d'un mouvement qui devrait normalement se développer petit à petit. Nous sommes présents, mais il n'y a pas que nous, puisque nous avons des camarades qui sont fixés à Jarry, sur divers points de piquet de grève, Basse-Terre, un peu partout en Guadeloupe. Là, c'était juste une manif santé et action sociale autour du CHU. Et voilà, on nous a empêchés de passer. Nous tentions de rejoindre nos camarades de FO qui sont au rond-point de Perrin, les pompiers. Malheureusement, il n'est pas possible puisqu'il y a un cordon de militaires qui nous empêche d'y aller. Voilà, c'est fort dommage que dans un pays dit démocratique et de droit, qu'on ne puisse pas manifester tranquillement, gentiment. Il n'y a rien qui puisse laisser à penser que nous sommes des soldats, nous allons casser tout. Pas du tout. Il n'y a que des gens. Il y a même des enfants, des femmes. Croyez-moi, l'idée, ce n'est pas du tout de casser quoi que ce soit. C'est dommage. Voilà.